Je crois que le ministre de la Santé vous a fait confiance en vous nommant à ce poste directeur d'un hôpital spécialisé. Hôpital spécialisé, ça veut dire un hôpital qui a des cas spécifiques. Et vous êtes médecin de formation, cela veut dire que vous allez mériter cette confiance et que vous ferez tout avec votre adjointe qui est administrateur pour que cet hôpital aille de plus en plus mieux. L'hôpital spécialisé de Nkembo dans le deuxième arrondissement de Libreville vient de changer de responsable. À sa tête, désormais, deux femmes qui, ce jeudi, ont officiellement pris fonction. Je continuerai à rehausser l'image de cet hôpital dans l'intérêt commun des populations. Je voudrais aussi rassurer les collaborateurs que seul le travail, la loyauté et les qualités intrinsèques seront mes critères d'appréciation. Et puis, je ne ménagerai aucun effort pour atteindre les objectifs que je me fixerai dès l'entame de ma prise de fonction. J'espère que notre collaboration sera franche et sincère. Nous sommes tous personnels de santé. L'hôpital spécialisé de Nkembo est un lieu plein d'histoire, construit au milieu des années 40 et 60. S'il a connu plusieurs mutations, les défis sont aujourd'hui concentrés sur deux axes. Pour la nouvelle direction qui arrive, la chose la plus simple, c'est de mettre à l'aise le malade, le patient et le personnel. Il n'y a pas de magie dans ça. Sous l'autorité du CTRI, la nouvelle équipe devra à court terme œuvrer au développement de cette structure qui, ces dernières années, plongeait peu à peu dans l'oubli.